Lorraine Cœur d'Acier, ça c'est une aventure comme on en a une dans sa vie. L'annonce de la liquidation de la sidérurgie, c'est décembre 78. En même temps, il y a à peu près à la même période, il y a le congrès de la CGT, le congrès de Grenoble, organisé par Georges Segui, qui est le congrès de l'ouverture. Voilà. La CGT doit être une organisation ouverte, démocratique, unitaire, tant que c'est possible, avec un fonctionnement démocratique. C'est un truc, c'est formidable, quoi. C'est merveilleux le congrès de Grenoble. Et il y a plus de 90% d'approbation dans les votes. Sauf que Krasucki est contre et il prend date. Et donc, c'est la période des radios pirates. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la bagarre commence à Longwy? La CFDT prend les devants, s'organise avec leurs copains de Radio Fessenheim, qui n'était pas très loin, leur demande de les aider à créer une radio, une petite radio pirate. Donc, ils avaient leur petite radio avec une petite antenne, un petit émetteur. Ils fabriquaient des mini-cassettes. Et le soir, vers 7h, ils allaient dans les forêts autour de Longwy. Ils montaient au sommet d'un arbre, qui était l'antenne. Et ils diffusaient une demi-heure quoi, de radio. C'était entendu par peut-être 200 ou 300 personnes. Mais ça avait un prestige extraordinaire. Puis ça s'appelait SOS Emploi. Radio SOS Emploi. Alors ils avaient marqué aussi en gros sur une pyramide de déchets SOS Emploi. Donc c'était Robin des Bois, quoi. Et là, les copains de la CGT disent, ils appellent Paris, la Confédération, ils disent on veut notre radio, nous aussi. Alors la CGT, ils savaient que moi j'étais passionné par ça, puisque j'avais travaillé pendant 3 mois pour la création d'une radio locale à Montreuil, qui ne s'était pas faite parce qu'au dernier moment, le premier adjoint qui s'occupait de ça avait décidé que c'était trop risqué, on n'allait pas la faire sans même me prévenir. On était 3, hein, 2 copines, on bossait 3 mois. Voilà, les bonnes vieilles méthodes. Et puis Jacques Dupont, qui lui, de son côté, il fabriquait des petits trucs de propagande, là, des mini-cassettes qu'il diffusait à droite à gauche. Et il était passionné par ce genre de choses aussi. Et donc on est envoyé à Longwy pour répondre à la demande des camarades de l'Union locale et des syndicats d'usine or, la sidérurgie. Et on monte là avec un certain Linossier qui était un copain de la direction de la CGT qui nous chapeautait, quoi. Et alors on arrive à l'Union locale et on rencontre là tous les responsables, quoi. Italien à 90%, grande gueule à 100%, extrêmement sympathique. Alors, on leur dit, bon, alors vous voulez une radio libre, c'est très bien. Mais nous, on pense que c'est pas la peine de refaire la même chose que la CFDT. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une vraie radio qui est pignon sur rue, avec un gros émetteur qui arrose toute la région, et un lieu où les gens puissent venir parler en direct ou téléphoner de chez eux et passer en direct. Voilà, une vraie radio, quoi, avec des programmes qu'on va inventer ensemble, etc. Et on leur dit, mais là, le problème, c'est que dans les heures qui suivent, les flics arrivent et ben, ils embarquent le matériel et ils cassent tout. Et on se retrouve au tribunal. Alors là, ils disent, sans aucune hésitation, ils viendront pas. Et effectivement, pendant un an et demi, quoi, la durée de cette radio sous sa forme libre, dès qu'ils approchaient à 10 ou 15 kilomètres, on nous téléphonait, on annonçait à la radio, et dans les minutes qui suivaient, il y avait 100, 200, 300, 500, 1000 personnes autour de la radio, ils n'ont jamais pu venir. Ils ont été obligés de brouiller, mais ils n'ont jamais pu s'approcher. Et puis on leur dit, bon, à part ça, vous voulez une radio libre? Bah ouais. Alors une radio libre, pour nous, c'est une radio libre, c'est-à-dire la parole est libre. C'est-à-dire tout le monde peut s'exprimer, quoi. D'une part, les partis,
sauf le Front National, parce que ça, c'est pas une opinion, c'est un délit. Le racisme est un délit. Mais toutes les organisations sont les bienvenues. Et toutes les opinions, voilà. Ça sera votre radio. Si on ne vous serait pas d'accord avec ce que quelqu'un dira, ben vous débrouillerez pour être les meilleurs dans le débat. Mais pas de censure. Voilà, on ne censure pas. On n'a pas bataillé contre la censure sur les radios classiques privées ou publiques pour pratiquer la censure, nous, quand on a la maîtrise d'un média. Ça, il n'en est pas question. Nous, on ne sait pas faire ça. Alors, porte ouverte à tout le monde. Alors, ils disent, les socialistes, ben oui, évidemment. Vous n'êtes pas assez grand pour discuter avec des socialistes. La droite. Ah, si la droite se sent obligée de venir, c'est qu'on aura gagné. Pas les patrons. Et c'est encore pire. Et là, il y a un silence, et puis il y en a qui dit, pas les gauchistes. Parce qu'on était en 79, faut pas oublier. L'ennemi héréditaire, le fratricide, les gauchistes. Comment ça, pas les gauchistes? C'est les plus proches de nous. Bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec eux, leur dites, puis c'est tout. Et vous êtes... Débrouillez-vous pour être les meilleurs. Sinon, il ne faut pas faire de radio si vous n'êtes pas les meilleurs. Hein. Alors il dit, il faut qu'on cause. On sort dans l'escalier, on fume des clopes, on entend des éclats de voix. Puis au bout de 10 minutes, il nous rappelle. Banco. Et ça a été banco. Et ils nous ont soutenus pour faire une radio où la parole était complètement libre. Et sans exception, quoi. Mais on discutait, voilà. Quand on n'était pas d'accord, on discutait avec les gens qui... Mais on ne leur coupait pas la parole. On discutait. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz. Aujourd'hui 17 mars 1979 à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Cette radio est la radio de l'espoir. Ça ne passe plus là. C'est votre radio. Peu à peu, on a fabriqué une vraie radio, quoi, qui avait des programmes. Alors le premier, le matin, c'était la revue de presse. Comme on n'avait pas de dépêche, donc on lisait les journaux, on écoutait les radios le matin, et puis on venait au studio et on bossait avec les copains qui venaient ou qui téléphonaient, etc. Et on épluchait la presse en essayant de montrer comment ça fonctionne, la presse, hein, de faire un travail un peu pédagogique. Et puis au bout d'un certain temps, c'est eux qui nous appelaient, ils disaient, oh, vous n'avez pas vu le répu, page 8, là, il y a un entrefilé tout petit, c'est quand même bizarre que ce soit tout petit comme ça, alors ça devrait être en première page, etc. Et cette revue de presse était très, très attendue, parce que c'était une possibilité de rigolade aussi, on se foutait de la gueule de certains journalistes, ils adoraient ça. Ceux qui faisaient, par exemple, des premières pages incroyables sur les gros faits divers, Mesrine, par exemple, etc. On expliquait le rôle que ça jouait, tout ça. Pour ne pas parler des choses plus importantes. Parisien libéré, pleine page, vous pouvez voir. Hein, la fin d'un tueur, gros plan sur le cadavre de Mesrine dans la voiture. Avec du sang, là, une, sans ouais, doute. Vraiment, c'est là qu'ils doivent regretter la couleur, là, Parisien libéré. Ça aurait été plus joli avec un peu de rouge au milieu de tout ça. Enfin bref, le premier moment de rigolade de la journée, c'était la revue de presse, quoi. Et puis après, il y avait de tout. On a fait appel à toutes les bonnes volontés. Donc il y avait une commerçante qui n'était pas du tout communiste, cégétiste, rien du tout, qui fabriquait une émission pour les enfants. On avait une émission pour les immigrés. Et je crois la première dans leur langue. Éditeur français émigré du bassin de Longwy, bonjour. Nouvelle émission Paroles émigrées. Série animée, sera animée, pardon, par Najia Benasser et moi-même, Mariama.
يعني إجراءات غير إنسانية وغير لائقة وما كيتقبلهم مش أي عقل إنساني. ولا نجيا كي سيت نوزا بريباري لا par rapport aux enfants immigrés. Moi, j'ai pensé à l'occasion de l'enfance, j'étais demandé aux enfants des immigrés ce qu'ils souhaiteraient. Que c'était des Maghrébins et ils faisaient leur émission en partie en arabe. Et c'était des émissions qui étaient, c'était une grille régulière. Hebdomadaire ou quotidienne? C'était hebdomadaire. Mais c'est ça, pour que ce soit hebdomadaire. Hebdomadaire. Il y avait un club de jazz. Des passionnés de jazz, ils faisaient venir des grands musiciens de jazz. Ils avaient leur émission toutes les semaines. Et quand ils recevaient un grand artiste, hop, ils passaient automatiquement à la radio. On a déniché des profs qui étaient formidables. Donc ils faisaient plutôt de la culture générale. Émission littéraire. Roger Martin, grand spécialiste de l'extrême droite et en particulier américaine, du Ku Klux Klan, etc., qui était un grand, qui est toujours un romancier de polar, quoi, acteur de polar, qui nous faisait des émissions formidables. Le grand spécialiste de l'immigration, l'historien, qui était prof à Longwy. On tombe là-dessus, on lui dit, allez, par ici la bonne soupe, tu viens faire des émissions. Alors au début, il était pas chaud, il a jamais fait ça. On a fait avec lui des émissions formidables, formidables. Et puis, il y avait un incite qui était poète. Alors il venait dire ses poèmes, et puis il faisait des émissions sur Aragon, sur Victor Hugo, sur Baudelaire, Verlaine, merveilleuse. Et puis il y a des gens de passage, des gens qui venaient de Paris exprès pour parler d'un sujet ou d'un autre. Il y en a un qui venait parler de la musique country, par exemple, un passionné. Il faisait des émissions super, il était parisien, mais il venait régulièrement. Est-ce qu'ils étaient invités par vous? Oui, invités en permanence, quoi. Tous ceux qui voulaient bien. Il y avait tous les artistes qui passaient, qui avaient un tour de chant dans le coin, ou enfin un spectacle. Hop, il débarquait. C'est comme ça qu'un jour Renaud arrive, il venait de faire son tour de chant, et puis il sort une enveloppe avec du fric dedans, c'était son cachet qu'on venait de lui donner. Ben c'est pour vous, allez hop, son cachet, c'est pour Lorraine Cœur d'Acier. C'était très émouvant, quoi. Et puis Guy Bedos s'est venu, est passé aussi, parce qu'il avait un spectacle dans le coin. Et donc, il arrive évidemment à Lorraine Cœur d'Acier. Il savait qu'ils étaient tous les artistes de passage, ils venaient directement. Et on commence à lui poser des questions un peu sur son travail, quoi. Et puis, très vite, il dit oui, mais ça, bon, mais ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est moi vous interviewer. J'ai envie de savoir, de comprendre ce qui se passe ici. Et il commence à interviewer les sidérurgistes pour comprendre, quoi. C'était marrant. Il se foutait de notre gueule en plus. Il dit, si je comprends bien, vous êtes la seule radio pirate autorisée. Alors on était brouillés que si on pouvait continuer, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il était marrant comme tout. Et donc c'était une soirée merveilleuse, quoi. Merveilleuse. Un phénomène aussi qui s'est produit avec Dupont. Bon, on écoutait discrètement les musiques, parce que les gens avaient amené des disques, les techniciens les passaient à la demande aussi. Les gens téléphonaient, ah tiens, tu passes telle chanson, etc. Et puis avec Dupont, on se rend compte très très vite dans les premiers jours, il y a une chanson qui revient tout le temps, qu'on ne connaissait pas, jamais entendue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on demande coffret du disque, quoi. Le Chiffon Rouge, Michel Fugain et le parolier Vidalin. Et en fait, cette chanson, elle passait 20 fois par jour. Il l'a demandé sans arrêt. Alors on regarde, on lit, on se rend compte que c'est des militants du Havre
qui avait invité Michel Fugain à faire un atelier chanson, quoi. Ils voulaient faire une chanson sur leur vie, leur travail, etc. Et bien ça a donné, au bout de plusieurs semaines de travail collectif avec Vida Alain, le parolier, et Michel Fugain pour la musique, ça a donné cette merveilleuse chanson qui s'appelle Le Chiffon Rouge. Et comme ils l'écoutaient tout le temps, ils ont commencé à se mettre des chiffons rouges sur les voitures, là, sur les antennes des voitures, sur les vestes, etc. Et quand il y a eu la marche sur Paris, quelques jours plus tard, au départ on est venu là pour préparer la marche sur Paris, et ben ils ont fait tirer les paroles de la chanson sur René Hauté, et ils sont tous partis avec des piles de chiffons rouges, et ils l'ont distribué tout le long, ils chantaient et ils distribuaient les paroles. Et en quelques jours, le chiffon rouge est devenu un des hymnes de lutte de la classe ouvrière. Quoi. Une chanson de plus, quoi, hein, avec l'International et d'autres. Quoi. Et c'était bizarre, c'était curieux ce phénomène. Ça s'est pris, mais alors, ça s'est embrasé tout de suite, quoi. Ça a pris tout de suite. Incroyable. Et alors, quand dans les grands moments, quand ils se mettaient à chanter le chiffon rouge, quoi, à chaque fois encore, aujourd'hui. Quand j'entends le chiffon rouge, j'ai la larme à l'œil. Hein. C'est magnifique. Michel Fugain, il est par ailleurs, et ses chansons, c'était pas des chansons engagées. Non, c'est la seule, pratiquement. Hein. C'est la seule. Et puis, à un certain moment, nous, on aurait voulu qu'il vienne, évidemment. Mais on avait l'impression qu'il avait honte de l'avoir écrite, cette chanson, mais presque. Il avait peur qu'on, du coup, on le considère comme un grand révolutionnaire. Alors, son père était un grand résistant, Pierre Fugain, docteur Fugain. Voilà. C'était un personnage extraordinaire. Ah bah, tout le monde le connaissait avant même. Il a été maire, d'ailleurs, maire communiste de Voreppe pendant un temps, près de Bonhomme. Et puis il y a eu des bisbilles avec le parti, je ne sais pas trop, comme moi j'en ai eu, d'autres. Quoi. C'était un grand personnage, c'est un type très marrant, très marrant. Il était accoucheur, alors c'est spatial. Il leur donnait des surnoms. Alors ma titine, ça va, tu ne t'en fais pas, on va y arriver, c'est pas grave. C'était un mec très sympathique. Il n'y a pas très longtemps, je crois. Pour le planning, la limite, elle est fixée par justement la limite dans le code pénal entre avortement et infanticide. Il n'y a personne qui a pu se faire avorter ici à Longwy. Ou alors il faut aller à Thionville, Briey ou Nancy. Ça en est là. Ah oui, oui. Alors les femmes, au départ, elles s'occupaient de faire le ménage et la bouffe de midi. D'accord. Bon, à Dupont, on se marre. Et on se dit, bon, bah, il faut qu'on fasse de la stratégie. Alors ce qu'on a commencé à faire, c'est comme il fallait des bénévoles pour s'occuper de la technique, donc au fond du petit estanco vitré qu'on avait contreplaqué, il y avait la partie technique, là ils avaient une espèce de bar, quoi, avec les engins, là, les micros, le magnétophone pour passer les disques, les écouteurs, voilà. C'est eux qui lançaient, qui ouvraient les micros qu'il fallait, qui lançaient les disques quand il fallait, etc. Et peu à peu, on commence à dire, se débrouiller pour que les femmes se mettent à la technique. Elles s'y sont mises très très bien, très bien marché. Et donc quand elles étaient à la technique, il fallait qu'elles parlent pour dire, il y a tel micro et il y a tel disque qui va passer, à la demande d'un tel, d'une telle, etc. Et puis bon, bah, nous, évidemment, salopards comme on était, on a profité dès qu'on a pu pour les faire parler. Quoi. Et de proche en proche, un jour, elles ont dit, on veut faire une émission des femmes. C'est chouette. Même si on était un peu inquiets, parce que bon, on se doutait un peu. Et alors, le soir venu, le studio, rempli de femmes au téléphone en direct et tout, et vas-y, ça commence, sur les médecins. Qui veulent pas avorter, qui, quand elles avortent, qui font du curetage à vif,
pas moyen d'avoir de la contraception, maltraité, Et au bout d'une demi-heure, il y avait plus 12 ou 15 médecins dans le studio. Ils sont appelés les uns les autres. Et il faut vite aller à Lorraine-Cœur-d'Acier, on est en train de se faire assassiner. Et ils ont eu un bon réflexe d'ailleurs, ils sont venus, ils auraient pu ranger leurs freins dans leur coin. Non, ils sont venus. Et alors là, ça a été un cri. Toutes les souffrances. Toutes les souffrances de tous ordres, physiques, et puis l'impression d'être méprisé, d'être maltraité, quoi, pas respecté. Il y en a une, deux, trois qui s'y sont mis, puis alors après, ça arrivait de tous les côtés. Et moi, c'est pareil. Et ils ont ramé, hein, les médecins, pour s'expliquer, pour se défendre. Et ça a continué dans les jours qui ont suivi. Parce que, ah oui, j'ai entendu hier soir, mais et moi, et si, et là, et ça a continué pendant des jours. Là, c'était les femmes ont pris le pouvoir de la parole, quoi, dans cette radio à un moment. Et elles se sont mises à parler vraiment de leur vie. Et là, il y avait cette merveilleuse Velia, qui était une grande copine, qui était une chrétienne. Italienne, comme son nom l'indique. Et un jour, elle prend le micro et elle dit « Usinor m'a volé les deux tiers de mes nuits d'amour à cause des 3-8. » C'était très touchant, quoi. Et c'est elle qui a raconté aussi comment dans les immeubles dans lesquels ils vivaient, avec des murs qui permettaient pas de protéger, on entendait tout ce qui se passait dans la chambre du voisin, etc. Donc, comment voulez-vous faire de l'amour dans des conditions normales? Dans ces conditions-là, c'est infernal. Et hop, ça y est, ça discutait, d'autres en parlaient aussi. Et ils parlaient de choses très intimes, quoi, très très intimes. Par moments, c'était vraiment bouleversant. Il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi, parce que par exemple les immigrés avaient leur émission, pourquoi il n'y avait pas une émission, justement, parce qu'en fait, ça a été une fois, mais il n'y avait pas une émission des femmes. Je veux dire une émission comme il y avait pour les immigrés, il n'y avait pas une émission fixe des femmes. Ben, c'est-à-dire que à partir du moment où les femmes ont pris la parole, déjà, il y en a un certain nombre qui venaient régulièrement, parce qu'elles étaient responsables syndicales, hein, dans des entreprises, dans des commerces par exemple, des grands commerces, ou des usines textiles, voilà. Et bon, déjà, il y avait des femmes là qui venaient régulièrement, mais à partir du moment où elles ont pris la parole, quand elles ont dit on va faire notre émission, et puis qu'elles se sont déchaînées, et après ça a rebondi, ça... comme les tremblements de terre qui ont des répétitions, quoi. Nous, ce qu'on voulait, c'est pas qu'elles aient leur émission, mais qu'elles soient dans toutes les émissions, au même titre que les hommes. Voilà. Et c'est quand même ce qui s'est passé. Peu à peu, c'est ce qui s'est passé. Elles ont été beaucoup plus présentes. Et il y a eu l'émission qu'on appelait le passé présent, où quelqu'un raconte sa vie. Il y en a eu faites par des femmes qui ont fait un tabac aussi. Un tabac, elles ont... Les femmes qui racontaient leur vie, on entendait les mouches voler, hein, c'était formidable, quoi. Donc elles ont, à un moment, elles ont mis le pied dans la porte et elles ont pris possession de l'outil, quoi. Des grandes soirées de Lorraine Cœur-d'Acier, ça a été la venue du grand généticien des populations, Albert Jacquard. Enfin, ça a été une soirée merveilleuse, quoi. Et il y avait un monde fou. Quand il est arrivé, il était très très célèbre, parce qu'il passait à la télé souvent, à la radio et tout ça. Et la salle était pleine. Le hall de l'ancienne mairie de Longuyon, où on était installés,
Le studio était plein autour, sur les bancs et tout ça. Et il y en a un qui lui dit « Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que c'est la génétique ?» Voilà le truc. On aurait pu se passer la nuit. Hein. Alors, il dit « Oui, c'est très simple. Vous allez tous tirer la langue. » Alors, tout le monde. Et vous essayez de mettre votre langue en forme de tuile romaine. Voilà. Mmh. Moi, zéro. D'autres, tout de suite, hop, là, ça, la langue se met bien en forme de tuile. Et il dit, ben, vous voyez, il y en a qui ont le gène qui permet de mettre la langue en forme de tuile romaine. D'autres l'ont pas. Voilà, Trial, lui, il l'a pas, il n'y a rien à faire. Il n'arrivera jamais à faire. Mettre la langue en forme de tuile. Et ben c'est ça la génétique. Et à partir de là, il a expliqué la génétique. Quoi. Mmh. Les gens étaient sous le charme. Quoi. Ils étaient merveilleux, ils étaient très sympathiques. Vous deux, vous étiez, enfin je pense que vous vous relayiez, mais vous étiez, disons, dès le matin, donc avec la revue de presse, à préparer la revue de presse, je suppose, à relativement tôt. Et puis après, ça se passait comment? Il y avait des émissions se succédaient avec vous qui étiez dans les sur place ou dans les parages, ou comment ça se passait après, disons, les émissions plus thématiques sur, comme je disais tout à l'heure, ça se passait comment par rapport à vous, justement? Ben, en général, on était là et on donnait un coup de main à l'animation, mais on essayait de faire en sorte que d'autres, peu à peu, animent. On tenait l'antenne, si tu veux. Et puis, à certains moments, par exemple, les soirs où le club de jazz là, faisait leur émission de jazz, on leur passait les clés, puis on allait casser la croûte quelque part et on les laissait faire. Quoi. Ils se débrouillaient complètement très très bien tout seuls. Mmh. Ou Jocelyne Casavecchia qui faisait l'émission pour les gosses. C'était merveilleux. Ça se remplissait de gamins hein, et elle se débrouillait très bien toute seule. Quoi. Et ils étaient toujours à plusieurs d'ailleurs hein, pour animer. Les immigrés, c'est pareil. Il y en avait un qui était le pilier, et puis d'autres qui venaient lui donner un coup de main, c'était très sympa. Et alors là, on avait mis pour faire la technique, parce que la technique, c'est des bénévoles qui s'en occupaient, qui en particulier passaient les disques, parce que tous les gens nous avaient apporté leurs disques, prêté leurs disques, pour qu'on ait un fond de musique, quoi. Et pour faire la technique de l'émission des immigrants, on avait mis Léonard Ritsou, il était sarde. Et il pouvait pas saquer les étrangers. Il s'appelait Ritsou, lui. Alors, ce qu'il pouvait pas saquer, surtout, c'est les Arabes. Il le dit très bien dans le film qui a été fait à l'époque par des copains sur Lorraine Cœur d'Acier. Il dit, quand j'étais à côté d'un Arabe, ça me faisait dresser le poil sur... ça me donnait la chair de poule. C'est dingue, c'était... Et donc, là, on lui dit, c'est toi qui t'occupes de la technique de... Au bout de 15 jours, il était copain comme cochon avec eux. Et il était devenu militant du MRAP. Parce qu'il est resté jusqu'à sa mort il n'y a pas longtemps, hélas. Ce qui était une sympathie aussi, celui-là. C'était marrant, quoi. C'était... Et donc, il y a plein d'émissions qui roulaient toutes seules. Mais il y avait des émissions qu'ils adoraient aussi. Il y en avait une qu'ils adoraient, c'est le passé-présent. C'était les gens qui racontaient leur vie. Il y a eu quelques séances incroyables. On entendait les mouches voler. Les gens qui racontaient leur vie, il y a en particulier un gars qui s'appelait Marcel Donati, qui avait une voix incroyable. Et alors lui, au début, il écoutait la radio, mais il était scandalisé parce qu'on faisait venir tout le monde. N'importe qui. Alors, et nous, est-ce qu'ils nous invitent, nous, sur leur radio? Non, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il écoutait, mais il était contre, quoi. Il voulait qu'on entende que la CGT. Mais il écoutait.
Et puis, alors il avait, quand il faisait son jardin, il écoutait, il avait la radio. Et puis, dans les ateliers, ils avaient des radios partout qui marchaient. Et puis le soir, il venait, il s'asseyait sur un banc, là, derrière, fumant sa pipe, et il écoutait les émissions. Et on essayait de le faire venir, quoi. Hein. On connaissait un peu, on se disait, putain, il va faire un tabac, lui. Non. Je parle pas dans cette radio où tout le monde parle, ce que c'est que ce bordel. Et puis un jour, comme il était délégué, c'était pas Usina, une des usines s'est dérangée. Il y a un mouvement social dans son coin, quoi. Et donc, la règle dans ces cas-là, on monte à la radio pour expliquer. Plutôt que de distribuer des tracts, on explique à la radio, tout le monde sera au courant. Et donc là, il est obligé de venir au micro. Et là, on se dit avec Dupont, on le tient. Et je laisse expliquer les histoires ponctuelles, hein, du conflit qui était en cours. Et puis on commence à lui poser des questions personnelles. Quoi. Il se met à raconter comment il est né dans une baraque, dans l'enceinte de l'usine, avec une tôle ondulée sur le dessus. Et quand il est né... il y a le contremaître qui est passé et sa mère lui a fait remarquer qu'il y avait une gouttière qui tombait sur le lit où elle venait d'accoucher. Alors ils ont fait réparer la tôle ondulée, enfin je sais pas si tu vois. Mmh. On entendait les mouches voler. Et à un moment, il raconte, après l'école, quoi, après le certificat, il est rentré à l'usine. Les pères y étaient, les fils, quand ils grandissaient, hop, ils y allaient automatiquement. Quoi. Il était assuré d'avoir du boulot. Et là, il avait 17 ans, et il y a une coulée d'acier en fusion qui a débordé. Il y en a 4 ou 5 qui se sont fait coincer, qui ont été pétrifiés. Pfff. Les gens étaient à gorge serrée. Et peu à peu, il est devenu une des grandes voix de la radio. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des hélicos pour brouiller. Très efficace. Seulement deux choses, c'est que le soir, les pilotes d'hélico, ils ont prévenu les autorités en disant, dites donc, on a des impacts de balles sur le dessous du cockpit de nos hélicos. Vous voyez, on n'est pas très chaud pour continuer à aller les agacer en brouillant leur radio. Il y a des mecs qui tiraient dedans carrément, quoi. Donc ils ont arrêté de brouiller avec les hélicos, ils ont brouillé avec les avions, qui sont beaucoup plus hauts. Et là, c'était très efficace. Alors, ce qui s'est passé, c'est que parmi les militants de l'Ouïe, il y avait des cinglés de ce genre de choses, et qui ont créé un groupe qu'ils appelaient les débrouilleurs. Quand quelqu'un appelait en disant « Oh, je suis brouillé, je vous entends plus, bon, on vous envoie les débrouilleurs », hop, les débrouilleurs arrivaient chez la personne en question et bricolaient des trucs auxquels moi je comprends rien, parce que je suis pas du tout technicien, mais ils faisaient passer l'antenne dans la baignoire, ressortir par le radiateur, enfin bref. Ils faisaient des cages de Faraday, je sais même pas ce que ça veut dire exactement. Et ils débrouillaient, ils arrivaient à débrouiller. Alors là, les gens appelaient, oh, ça y est, je suis débrouillé, c'est super. Et bon, donc, et du coup, d'autres les appelaient et ils débrouillaient complètement, quoi. Et donc, les avions sont devenus un peu ridicules, quoi. Ils tournaient, mais ça, bon, on s'en foutait, quoi. Et c'est là qu'ils ont utilisé la grosse Bertha. C'est-à-dire le pylône de TDF, qui a pour fonction de diffuser les radios publiques d'une hauteur au-dessus de l'Ouï. Donc ils se sont mis à brouiller par l'intermédiaire de ce pylône de TDF. Oh, c'était vraiment
infernal, quoi. Très vite, on s'est rendu compte que plus personne pouvait nous entendre, et on a dit, bon, ben, on est obligé d'arrêter, puisque plus personne peut nous entendre. Et là, les camarades, la CGT, ont dit, mais comment ça, on va arrêter, mais il n'en est pas question d'arrêter. On va monter au bois de chat, là où est ce fameux pylône. Et vas-y, on part tous au bois de chat, Dupont, Olmi et moi devant. Ça a été une manif énorme qui a duré toute la nuit. Il y a eu des blessés d'ailleurs. Ça a été très très chaud. Le lendemain, les techniciens et les responsables de TDF ont dit aux autorités, écoutez, nous, notre boulot, c'est de diffuser des radios, c'est pas de brouiller des radios. C'est pas notre boulot, quoi. Démerdez-vous autrement. Voilà. Les gens s'inscrivaient à l'avance pour nous inviter à dîner avec les invités qui étaient là, quoi, tous ceux qui avaient participé aux dernières émissions du soir. Et alors ils s'inscrivaient, ils avaient une liste sur la porte du studio. Et il s'inscrivait 15 jours avant. Et le soir venu, il venait là, attendre que l'émission soit finie. Alors des fois c'était à 9h du soir, des fois c'était à minuit. Et on partait avec les invités du jour, et on partait dans la campagne, on arrivait dans des maisons, il y avait des je me souviens toujours, je suis une copine là où on allait assez souvent. Il y avait des tables avec couverts de capelletti, de ravioli, etc. C'est des Italiens. Ils faisaient toutes sortes de pâtes merveilleuses. Et on faisait des. Mais, alors ils invitaient leurs copains, leurs voisins, leurs cousins. Et donc c'était un dîner de mariage tous les soirs, quoi. C'était infernal, infernal, c'était délicieux. Alors, un jour, avec Dupont, on leur dit, écoutez, il faut se calmer un peu parce qu'on va crever. Vous ne vous rendez pas compte. Vous faites ça une fois de temps en temps, mais nous, c'est tous les soirs. Tous les soirs, un repas de mariage. On ne va pas résister. Et puis alors, la Mirabelle, l'alcool de Mirabelle, on dit ça, vous ne vous rendez pas compte. C'est un poison violent. Il faut se calmer aussi, là, parce que on va crever, quoi, c'est simple. Alors, des fois, on mettait un faux nom sur la liste, de façon à avoir une soirée un peu calme. Mais bon, en général, c'était adorable, quoi. C'était très, très sympa. Très, très sympa. Premier politique qui vient de Paris, au moment de la campagne des européennes, premier c'est Krivine. Alors je ne te dis pas. Mouvement d'hiver. Le responsable du PC, par exemple, téléphone, dit je ne veux pas dialoguer avec ce monsieur, mais il téléphone pour lui répondre à ce qu'il venait de dire. Tout le monde se marrait. Et finalement, on est devenu très, je suis devenu très très ami avec Krivine, on est resté, on est toujours très très amis. Parce que c'était bien la première fois qu'il passait dans une radio de la CGT, accueilli tout à fait cordialement, quoi. Et comme Bandit, alors lui, pareil, il n'en revenait pas. Il arrive dans le coin, hop, tout de suite on l'invite à la radio. Et je suis un peu curieux, parce que d'habitude, la CGT, il me casse la gueule. Ah ben non, ici on ne casse pas la gueule, ici on discute, on débat. Ouais. Et on lui a mis pour s'occuper de lui le plus sectaire de la CGT, qui était un mec super d'ailleurs. Ils ont passé 3 ou 4 jours ensemble, il l'a emmené partout, il l'a descendu dans les mines où il faisait des réunions pour se cacher dans une période difficile, etc. Ils ont fait une bamboula incroyable. De temps en temps, ils passaient à la radio, de plus en plus flageolants tous les deux. Et ça a été très très marrant. Très très marrant. Évidemment, comme lundi, t'es passé à la radio, discuter, quoi.
radio. Excuse Alain. Oui, mais j'excuse tout à fait. C'était des copains qui ont été collectés devant le rond-point, le supermarché rond-point, et qui ont déversé toutes les pièces de monnaie qui ont été collectées pour sur la journée, table. 280 000. Voilà. Pour une seule journée ? Une seule journée, une journée, seule journée, oui. 2h le matin, 3h l'après-midi. 2h le matin, 3h l'après-midi, en 5h. Toujours la fidèle collecteuse. Alors on remercie tous les gars qui ont collecté, les femmes qui ont collecté. Oui. Et on souhaite que demain, il y ait encore beaucoup de volontaires pour collecter encore demain. Allons, oui, la Lorraine Cœur d'Acier, à la fin, était de plus en plus mal vue parce que c'était une radio de libre parole absolue. Donc, on pouvait y entendre tout et n'importe quoi. Mais on gérait. Hein. On disait, bon, voilà, quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, vous débattez. Mais pas de censure. Nous, on ne censure pas. Voilà, on n'est pas à Europe 1 ou à France Inter. On ne censure pas ici. On débat. Et on essaye d'être les meilleurs dans le débat. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Il y avait Ali B, premier journaliste qui s'est occupé de nous, si j'ose dire, et qui faisait des articles très très agressifs contre nous. Et on n'arrêtait pas de lui dire, mais viens, tu pourras juger sur pièce, au lieu de raconter ce qu'on t'a raconté au troisième... Ce qu'il n'a jamais fait. Un jour, il écrit que notre émetteur très puissant empêche d'entendre le petit émetteur de SOS Emploi, la radio de la CFDT. Et donc, on dit, ah ben dis donc, peut-être, oui, c'est peut-être vrai. On s'est dit avec Dupont et Michel Olmy et les autres. Donc, on appelle les copains de la CFDT, avec qui on était en très bon rapport, parce qu'on avait fait la... Ils ont fait la marche sur Paris avec la CGT, enfin on s'entendait très bien, avec Giovanni Hardy en particulier. On leur dit, est-ce que c'est vrai? Et ils disent, bah oui, on ne nous entend plus, quoi. Ouvrez complètement la bande. On a dit, bon, bah alors, il y a une solution, hein, c'est la seule qu'on voit. Quand vous allez émettre vos 20-25 minutes quotidiennes, vous nous appelez, et nous, on prévient les gens qu'on va... couper notre antenne et on leur propose qu'ils aillent vous écouter quoi pendant une demi-heure. Et puis quand vous avez fini votre émission, vous nous prévenez et on reprend l'antenne. Ce qu'on a fait immédiatement, ce qui leur permet d'être écoutés par le peu de monde qui les écoutait avant. Quoi. Mais enfin, il y avait quand même quelques centaines de personnes. Et puis au bout d'un certain temps, comme on se voyait assez souvent, quoi, on leur a dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus simple? C'est que quand vous avez une émission à faire, vous nous appelez, puis vous venez à Lorraine Cœur d'Acier et vous faites votre émission sur notre antenne. Puis voilà, on dit, voilà, c'est la CFDT qui s'adresse à vous en utilisant notre antenne. Et ce qu'on a fait, et ça s'est fait pendant des mois, voilà. Et on est tout, contrairement à ce que dit Ingrid Hayes dans son livre, Lorraine Cœur d'Acier, les voix de la crise, on est resté en très très bon terme avec Giovanni Hardy jusqu'à la fin. Et en ce qui concerne l'IB, là aussi, contrairement à ce qu'elle dit, l'IB a fini par remplacer le journaliste qui s'occupait de nous. J'ai oublié son nom. Après, il est passé à Paris Match, je crois. Il était d'une agressivité. Alors vraiment, la CGT, c'était les gros bras, qui écrasent tout. Enfin bon, voilà. Et ils ont envoyé Maurice Nagemann. Maurice Nagemann, dont Ingrid Hayes dit que on lui tape dessus quand il vient à Longwy, etc. Et Maurice Nagemann, au contraire, contrairement à son camarade des premiers temps, il est venu à la radio, il a parlé dans la radio, on a discuté, on a interviewé, mais parfois on a même eu des débats avec lui, et on a toujours été très très copains avec lui. Et ce Maurice Nagemann, avec qui on n'était pas d'accord sur tout,
qui était lui aussi, qui avait des origines trotskistes, je crois. On discutait, on n'était pas d'accord sur tout, puis on se balançait des vannes. Elle raconte, Ingrid Thijs, dans son livre, un débat entre lui et nous, où, semble-t-il, à l'entendre, on l'assassine. Voilà, en traitant de partisans des terroristes italiens, par exemple. Ça tient absolument pas debout. J'imagine qu'on devait, dans la discussion, pour rigoler, on devait en rajouter, et lui aussi de son côté. Mais on a toujours été très amis avec lui, toujours, en très bons termes. Au contraire, on a beaucoup apprécié qu'il vienne régulièrement, qu'il parle de ce qu'il voyait. À croire Ingrid Thijs dans son livre, on le massacre à l'antenne. À mon avis, on avait dû déconner, en rajouter. Voilà, traité de terroriste, c'était pour rigoler. On n'était pas d'accord sur tout, mais évidemment. Ça n'a pas d'intérêt d'avoir des débats avec des gens qui sont tout à fait d'accord. C'est intéressant d'avoir des débats avec des gens qui sont tout à fait d'accord. Et voilà, et on argumente, quoi. Mais en tout cas, on avait une relation, toujours une relation très chaleureuse avec lui. On était très copains. Alors je ne sais pas ce que vous avez appris ça. Parce qu'il me semble que justement le ton souvent des émissions, c'était un ton quelquefois avec des petits trucs au deuxième degré qui sous-entendaient. Oui, c'est ça, que vous pouviez, comme on fait, moi je vois quelquefois dans les milieux où on se traite de gauchiste et tout ça, quelquefois c'est un petit peu vrai, mais c'est en tordant le bâton un petit peu, ou alors de sectaire ou autre, mais c'est pas forcément toujours. On n'arrêtait pas de faire ça, Lorraine Cordassier, on n'arrêtait pas de déconner, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression que, par moments, elle prend au premier degré, Ingrid Thijs, elle prend au premier degré des choses qui sont d'énormes plaisanteries. Et elle prend ça au pied de la lettre. Elle est complètement à côté, complètement à côté. En tout cas, moi je persiste et signe, Maurice Najman, on a toujours été en très bon terme avec lui, et Giovanardi a toujours été pour nous un grand ami. Giovanardi, le secrétaire de la CFDT Longwy, était en désaccord avec la confédération CFDT, qui par exemple n'a pas participé à la marche des sidérurgistes sur Paris, alors que la CFDT Longwy y a participé. Et ils sont partis en même temps que les militants de la CGT, ils chantaient comme eux le chiffon rouge, et voilà, ils étaient tout, sur l'essentiel, ils étaient d'accord, ils avaient des divergences. Bon, par exemple, SOS emploi, c'est au secours, on va plus avoir d'emploi, alors que le mot d'ordre de la CGT, c'était plutôt pas un boulon ne sera déboulonné de la sidérurgie, voilà. Mais c'est plus de l'ordre d'une nuance de slogan que dans la pratique, on luttait ensemble, quoi, CFDT et CGT, contre les patrons de la sidérurgie. Elle disait que la CGT, après justement son expérience de Radio Lorraine Cœur d'Acier avec deux journalistes professionnels, n'a plus jamais recruté deux professionnels pour ses radios. Elle a fait de nombreuses radios avec des permanents CGT pour animer une radio. Il y avait des réunions à Paris auxquelles on allait avec Dupont, et on voyait bien que tous les autres qui voulaient mettre en route des radios CGT, c'était pas du tout sur les mêmes bases que nous, quoi. Voilà. C'est-à-dire la libre parole, le débat, etc. Et Krasuki, ce genre de pratique ne lui convenait pas du tout. Et d'ailleurs, il est venu à Longwy et il a été interviewé. C'était très bizarre d'ailleurs, parce que nous, il nous intéressait beaucoup. Il avait été déporté à 16 ans. C'était un militant responsable de la main-d'œuvre immigrée, la MOI. Tout ça nous intéressait. En plus, c'était un type très cultivé, qui était un mélomane patenté. C'était un personnage très intéressant, donc on avait envie qu'il nous parle de lui, mais alors impossible, quoi, pas question du tout. Dans son discours, on comprenait très bien que ce qu'on pratiquait à Longwy, c'était pas du tout sa tasse de thé, quoi, voilà. Thank you.
Et là, ça a commencé à un moment, les purs et durs, disons, on a appelé à Paris en disant vous ne vous rendez pas compte, la radio de la CGT, ils disent du mal de nos camarades soviétiques ou allemands de l'Est, parce qu'on ne pouvait pas les saquer, les Allemands de l'Est. On trouvait que c'était un régime de merde, quoi, et on avait raison. Et donc là, à un moment, la CGT a décidé d'arrêter les frais, quoi. Il l'a fait avec la douceur que tu imagines. On s'est retrouvé viré du jour au lendemain. Et puis, ils ont repris en main l'union locale de la CGT. Parfois, les familles divisées, enfin, ça a été un traumatisme énorme, quoi. Les gens qui avaient vécu cette période de liberté et de démocratie remarquable qu'a été Lorraine Cœur d'Acier, s'en sont jamais remis. C'est terrible à vivre, ça. Quand la radio a été liquidée, on était deux journalistes professionnels, Jacques Dupont et moi, et pour qu'on ne perde pas notre carte de presse, c'est La Vie Ouvrière, le journal de la CGT, qui nous payait officiellement. Lui, les amis de la radio, les amis de LCA, remboursaient jusqu'au dernier franc que La Vie Ouvrière nous avait versé comme salaire. Et donc, ils se sont pas embêtés. Tout d'un coup, on a vu qu'on ne touchait plus notre salaire pendant l'été, pendant les vacances. Allô, tu as touché ton salaire ? Ah non, non, moi non plus. Voilà. Sans vous passer un coup de fil, hein, pour dire, bon, écoutez, voilà, il y a un problème. Hein. Voilà. Non. Coupe les salaires, terminé. D'ailleurs, il y a quelque chose de marrant, quand ils ont liquidé la radio qu'on avait mise en place avec les militants de Longwy, ils ont fait appel à deux militants avec qui on était très très amis, qui ont toujours soutenu la radio quand on était là. Et l'un a été nommé pour remplacer Michel Olmy comme secrétaire de l'UL, de l'Union Locale CGT, et l'autre a le remplacé comme chef de la radio. Et ils ont été interviewés tous les deux il y a quelques années par France 3, local, et ils ont dit c'est la plus belle connerie qu'on ait jamais faite. Voilà. Et celui qui a été désigné pour faire la radio, il raconte qu'il était tout seul la nuit dans ce studio là où quand on y était il y avait toujours un monde fou, surtout les jours où il y avait des émissions importantes, et il disait j'étais tout seul dans mon studio et je savais qu'il y avait ma mère, ma sœur et ma cousine qui m'écoutaient, quoi. Voilà. Il y avait personne à l'autre bout. Et le jour où les flics ont décidé de mettre fin à la plaisanterie, donc ils avaient été prévenus, donc ils ont pu mettre de côté le matériel, mais le jour où ils sont venus arrêter la radio, les flics, il n'y avait plus personne pour les défendre. Tout simple. Enfin, tous ceux qui ont défendu Lorraine Cœur d'Acier, qui l'ont fait vivre, puis qui l'ont défendu dans l'esprit premier Lorraine Cœur d'Acier, libertaire, disons, d'ouverture totale, de libre parole, ont été un peu traités comme des parias pendant des années. Moi, je me rappelle, moi, j'ai jamais quitté la CGT. J'ai toujours dit, la CGT est à moi autant qu'à vous. Donc j'ai jamais quitté la CGT, ça, ils pouvaient pas me virer de la CGT. Mais certains communistes, avec qui j'avais de très très bonnes relations depuis des années, me changeaient de trottoir quand ils me croisaient. Et ça me fait penser qu'il y a des choses qui avaient dû être racontées sur nous, qui devaient être gratinées. Gratinées. Donc ça fait du foin quand même, hein, dans la CGT, cette histoire. Et il y a eu un CCN, peu après. C'est national, et là se retrouvent tous les responsables, d'une part des fédérations syndicales par métier et d'autre part les unions départementales, donc par région, quoi. Et donc tout le gratin de la CGT est là, de la France entière. Et là il y en a un qui dit qu'est-ce qui s'est passé avec les journalistes de Lorraine Cœur d'Acier. Alors là le grand chef de la propagande, Jean-Claude Larose, je donne toujours son nom à celui-là, a dit, écoutez camarades, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, je peux vous dire juste deux petites choses. Sur le plan financier, c'est pas clair.
style, ils mettent la main dans la caisse. Or, jamais on s'est occupé de ces choses-là. Il y avait un trésorier de Lorraine Cœur d'Acier et qui tenait ça avec une poigne de fer. Et c'est lui qui s'occupait du pognon. Nous, on s'en est jamais occupé. Et deuxièmement, quand les flics sont là, il n'y a plus personne. Ils ont peur des flics. Ils mettent la main dans la caisse, ils ont peur des flics. Alors que quand il y avait des manifs, on est allé au pylône de TDF, il y a eu des émeutes, que ça bataillait toute la nuit, avec Dupont, on était devant. Alors là, il y a un copain du CCN qui m'avait raconté ça, et je lui avais dit, écoute, tu vas dire à la Rose, parce que tu as l'occasion de le voir, que la première fois qu'il me verra, il prendra ma main dans la gueule. Et il saura pourquoi. J'ai pas autre chose à répondre à ça. Manque de peau, je ne l'ai jamais rencontré. Mais si un jour je le rencontre, il aura une gifle. Ça, c'est sûr. Le fait de parler comme ça, c'est une façon de me passer une gifle. Ah oui, mais c'est dingue, quoi. Parce que aux yeux de tous les militants de la CGT, de la France entière, tu passes pour un salopard qui met la main dans la caisse et qui a peur des flics. Et ça a peur des flics, alors ça c'est le maximum. Hein. Ça a peur des flics, hein, t'es foutu. Alors ça, j'ai jamais pardonné. Jamais. Jamais. Et l'heure qu'il est, toujours pas. Internet, c'est le pire et le meilleur. Il y a des choses magnifiques et puis des choses. Il y a des gens qui lancent des soi-disant informations qui n'en sont pas et qui passent pour être de la vraie information. Moi, ça me fait peur, moi, Internet. Je suis très, très dans tout ce qui est Internet. Et pour moi, puisque j'étais dans les années 80, j'étais très, très dans tout ce qui était radio libre. Et pour moi, vraiment, Internet, c'est la suite des radios libres d'un certain côté, dans la logique. Alors, il y avait un côté plus chaleureux peut-être avec la radio libre. Ouais, ça n'a rien à voir de ce point de vue-là. Mais c'était, au lieu d'être dans une logique de diffusion par en haut, il y avait quand même ce qui est un petit peu aussi... Oui, de la démocratie horizontale. Voilà. Oui, ça c'est intéressant, je reconnais. Si je m'en méfie. Parce que la radio, ça pouvait être pareil. Il pouvait y avoir des radios, il y en a toujours, d'extrême droite. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc là, on est rentré à Paris avec Jacques Dupont. Alors, autant te dire que notre vie privée en a pris un coup, hein, c'est sûr, un petit peu volé en éclats. Il y a eu, c'est une période très très difficile parce que moi j'étais toujours militant communiste. Après Lorraine Cœur d'Acier, je me retrouve un peu marginalisé, quoi, hein, du côté du parti et de la CGT. Ça, c'est une période vraiment très 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 difficile. Mais on se demande presque comment tu as pu justement après, tu n'as pas quitté ni le parti communiste à l'époque, ni... Pas tout de suite. Mm. Enfin, je me suis considéré comme dissident du parti. Mais la CGT, je ne l'ai jamais quitté, c'est mon syndicat, et voilà. Je n'ai pas été exclu non plus, donc je vais continuer à être un adhérent de la CGT, militant de la CGT, on peut dire. Malgré ces désaccords très douloureux. Et alors là, je pense que j'ai dû travailler un peu pour des groupes qui avaient des groupes et quelques autres, ils avaient une boîte privée, ils faisaient des films dans le monde médical, des films sur le thème de la santé. Et là, j'ai dû travailler dans ce secteur-là pendant quelques temps. Et puis est arrivé le 81, quoi. 81 est arrivé.
Et Desgroupe a été nommé président de la deuxième chaîne. Et il m'a appelé tout de suite en me disant « Si tu as d'autres propositions, tu n'es pas libre, on se revoit en septembre et je te retiens pour la deuxième chaîne. » Voilà. Et effectivement, quand il a été nommé, il m'a appelé... Et on s'est revus en septembre. Ce salopard, moi je lui ai dit, je veux faire du reportage en France. Voilà, c'est pas compliqué. Et il me nomme chef du service société, Infogéné, les deux. Société Infogéné. Et à un moment, moi j'étais toujours en contact avec les copains de Longwy, quoi. Ils se sentaient un petit peu des parias, quoi, hein, ceux qui avaient soutenu la radio jusqu'au bout. Et un jour, je les ai invités. Ils sont venus au journal de 13h. On les a fait parler. C'était un petit coup de nostalgie sur Lorraine Cœur d'Acier au journal télévisé. Mais je les revoyais souvent. Olmi, je le revoyais souvent parce qu'il s'est complètement reconverti. Après cette histoire-là, il a été donc, il s'est retrouvé à la rue. Il y a une municipalité communiste qui l'a embauché comme cantonnier. Et comme il aimait bien faire des photos, il était débrouillard, quoi. Le maire de cette commune, je crois que c'était Mont-Saint-Martin, lui a demandé de s'occuper du journal municipal. Et donc, quand il y avait des événements auxquels participait le maire, il allait faire des photos. Il faisait ce boulot-là de journal municipal. Et puis, peu à peu, il s'est pris au jeu des photos et il est devenu un espèce d'artiste de la photo. Et à faire vraiment des photos d'art très très belles. Et il participait à des concours de photos et remportait des premiers prix. Une fois un deuxième prix et deux fois le premier prix. Alors c'était sympa parce que du coup il venait à Paris pour recevoir son prix, on faisait des Java à chaque fois, et c'était très bien ce qu'il faisait. Il y avait beaucoup de municipalités communistes dans le coin, et plein d'élus qui ont pas du tout marché dans cette espèce de rejet de tout ce qui était lié à Lorraine Cœur d'Acier. Au contraire, la municipalité dans laquelle il s'est retrouvé cantonnier, ils avaient beaucoup de sympathie pour lui. Donc c'était pas une armée au garde à vous devant Krasuki. Hein. Il y a beaucoup de militants qui en avaient rien à foutre. Voilà. Et qui ont tout fait pour aider Michel Olmi à revivre, quoi. Et pour lui, le fait de devenir une sorte d'artiste de la photo, ça lui a fait énormément de bien, quoi. Mais enfin, quand la CGT, 30 ans après, 40 ans, je ne sais plus, a décidé de faire ce coffret sur Lorraine Cœur d'Acier, le chiffon rouge, ça a été une réhabilitation pour lui. Hein. Il a beaucoup apprécié. Hein. Je peux te dire que ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Moi aussi, d'ailleurs. Et tous ceux qui ont participé à LCA, à la grande époque, se sont sentis réhabilités. Alors qu'ils se sont sentis rejetés, réduits à l'état de paria pendant des années, quoi. Quand ils ont sorti donc le coffret, ils ont fait un mea culpa par rapport au... Bon, c'est très clair. Parmi le groupe qui a travaillé à ce coffret, il y avait donc les trois jeunes qui avaient découvert, grâce à Ingrid Hayes, les archives de Lorraine Cœur d'Acier, que contrairement aux autres radios pirates de l'époque, on avait en gros tout enregistré et tout gardé, plus un certain nombre de militants de la région, Meurthe-et-Moselle, la CGT, il y avait la responsable de la NVO, la Nouvelle Voix Ouvrière, le journal de la CGT, qui s'appelait Agnès. Il y avait l'un des plus actifs dans ce groupe, en dehors d'Alain Delmas, militant de Bordeaux, qui nous a toujours soutenus, il y avait un certain Philippe Martinez, qui à l'époque dirigeait la métallurgie de la CGT. Et il a joué un rôle très très fondamental, disant à l'époque ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Nous pensons aujourd'hui que c'était une erreur, mais il n'empêche que Lorraine Cœur d'Acier, ça appartient au patrimoine de la CGT.
Et ce coffret a été fait justement pour rendre public cette appartenance, quoi. Voilà. Le Rhin cœur d'acier, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça aurait pas dû se passer comme ça, d'accord. Mais ça fait partie du patrimoine de la CGT. Et dans le coffret, d'ailleurs, c'est quoi comme type de sélection? Parce que forcément, il y a un choix éditeur. Il y a un choix, parce que même s'il y a plusieurs, DVD, plusieurs CD, DVD, etc., forcément, comme il y avait des... Il y a des c'est quoi? C'est essentiellement, il y a des extraits radio, il y a... Ben, c'est simple, il y a trois sortes de choses. Il y a d'abord 5 heures d'extraits de radio par thème. Il y a le film de Jean Serre et Alban Poirier. Jean Serre étant mort, mais Alban Poirier a participé lui aussi aux réunions et tout ça, et qui a suivi l'opération du début à la fin. C'est d'ailleurs ma compagne de l'époque, Catherine Dehaut, qui avait prévenu un de nos copains réalisateurs en disant « Il se passe des choses, faut que tu ailles voir ». Il est arrivé, il a vu Jean Serre, il a vu ce qui se passait avec Alban Poirier, et ils ont décidé de suivre, de qu'on les prévienne s'il se passait des choses importantes, et puis d'autre part, ils venaient régulièrement pour savoir où ça en était, et voilà, ils interviewaient les uns et les autres, et donc ils ont suivi l'histoire du début jusqu'à la fin, jusqu'à la liquidation, quoi. Et puis il y a d'autre part, des interviews écrites, rapportées par écrit, de tous les participants les plus importants. Bon, il y a Michel Olmy, Dupont et moi, mais aussi une femme merveilleuse qui s'appelle Velia Di Sabatino, qui était une militante chrétienne de gauche, proche de la CGT, qui a participé beaucoup à cette espèce de cri de révolte que les femmes ont poussé un jour quand elles ont pris la parole à la radio. Et Velia était au premier rang de tout ça. Et par rapport à Krasuki, est-ce que tu as eu après des échanges avec lui ou jamais, en fait, après? Bah écoute, je l'ai peu vu après. Je l'ai rencontré une fois dans un resto où on s'est parlé aimablement. Voilà, et c'est tout, on se sautait pas au cou, quoi. Et je sais plus quand est-ce qu'il est mort, et bon, je l'ai plus beaucoup revu, ou pratiquement plus revu, quoi. Une chose aussi, en ce qui me concerne, qui a joué, c'est que à un moment, il y a eu les élections pour le conseil d'administration de France Télévisions, où il y a des élus représentant le personnel. Et les copains de la CGT m'ont dit, on voudrait bien que tu te présentes. Bon, tu ne seras sûrement pas élu, parce que bon, la CFDT est loin devant dans toutes ces élections-là, avec les cadres, tout ça. Mais bon, ça serait bien que tu te présentes. Je dis, bon, bah d'accord. Et puis là, coup de théâtre, j'ai été élu, mais alors, loin devant la CFDT, et les gens de toutes les catégories qui ont voté pour moi, y compris les cadres, une grande partie des cadres. Et du coup, là, il y a eu une petite fête à la Confédération pour célébrer ce succès. Et j'ai remis les pieds à la Confédération pour la première fois depuis la disparition de Lorraine Cœur d'Acier. J'étais quand même un paria jusque-là, toi. Et là, j'ai été invité solennellement, etc., quoi. Et bon, bah, ça, évidemment, ça m'a fait plaisir parce que c'était les miens, hein. C'était les miens qui m'avaient rejeté. C'est très, très, très difficile à vivre.